Bonjour et bienvenue pour notre deuxième vidéo sur The Long Dark et les mods. Je vous invite à regarder la première vidéo. La première vidéo consistait à comment préparer votre jeu à le modder et comment installer les mods et bien sûr où les trouver. Donc maintenant dans notre deuxième vidéo, je vais vous montrer 11 mods en tout. Je vais passer à peu près 2 à 3 minutes dessus pour que la vidéo soit assez courte. Et ce que je peux rajouter par rapport à ces mods, c'est que j'ai testé donc rajouter les mods sur une nouvelle survie. Donc la plupart du temps, c'est un peu comme Fallout 4 hein, à l'époque. Si vous rajoutez des mods dans votre jeu, le mieux c'est de recommencer par exemple une survie de 0. Comme ça, elle se charge avec les mods. Mais après, j'ai voulu aussi tester des survies que j'avais déjà bien avancées, hein, plusieurs heures déjà à l'intérieur, et rajouter les 11 mods. Donc ça n'a pas brisé la sauvegarde, ça n'a pas brisé en fait ma survie ou quoi que ce soit. Ça s'est bien rajouté en fait au jeu. Bien sûr, il va avoir certains équipements en fait qui vont disparaître de votre inventaire par rapport aux mods et comment ils fonctionnent. Et bien sûr, les nouveaux objets des mods vont se rajouter par exemple à la table de craft et tout ça, ou alors à votre inventaire directement. Donc ça fonctionne très bien. Et après, vous pouvez sauvegarder tout ça et jouer normalement. Et si vous voulez les enlever, encore une fois, les objets qui sont rajoutés par les mods vont tout simplement disparaître et les anciennes mécaniques vont revenir. En tout cas, de ce que j'ai testé, ça ne va pas corrompre vos sauvegardes ou quoi que ce soit. Donc les mods sont assez safe à être utilisés et enlevés à votre guise. Dans tous les cas, maintenant, nous allons passer sur le premier mod qui est Ambient Lights. Donc bienvenue dans mon atelier de test. Oui, je sais, il y a énormément d'objets, mais nous sommes là pour parler de Ambient Light. Donc vous pouvez le trouver dans les options mode setting, il est là. Donc il y a énormément d'options. Alors dès le début, je vous conseille de mettre ça sur oui, comme ça vous avez la possibilité en fait d'activer et de désactiver le mode. Donc Shift L, donc je vais vous le montrer directement. Donc Shift L, off et on. Donc personnellement, donc j'utilise le défaut. Pourquoi? Parce qu'en fait le défaut va mettre, va en gros pour expliquer facilement, il va égaliser la luminosité en fait dans chaque pièce de chaque bâtiment dans lequel vous rentrez. Et c'est ça qui est vraiment pratique, en tout cas pour moi. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire par exemple une survie avec la nuit en fait infinie. Donc du coup tous les bâtiments en fait sont très très sombres. Je vais vous le montrer après dans la nuit. Donc du coup pour moi c'est vraiment pratique ce mode là en défaut. Mais bien sûr vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Donc il y a aussi des presets assez sympathiques. Donc par exemple vous pouvez avoir darker intérieur. Donc c'est un peu plus sombre que la normale. Donc ça ce sont les intérieurs un peu comme ça. Vous voyez que la luminosité est égale dans toutes les pièces. Mais vous voyez que c'est plus sombre que la normale. Donc si on enlève le mode, ça c'est le normal. Et ça, c'est avec le mod. Après, nous avons aussi d'autres options assez intéressantes. Donc, par exemple, on peut mettre Endless Day. Donc, ça va être très, très, très clair. Attention à vos yeux. Et voilà. Là, vous voyez que, comme si à l'extérieur, vous étiez dans le désert ou quelque chose comme ça. Genre, avec un soleil qui tape extrêmement brillant. Donc, encore une fois, sans mod, avec mod. Donc, vraiment sympathique. Après nous avons un Dark World, ça aussi, alors attention, complètement noir si vous voulez jouer comme ça, parce que oui, encore une fois, ces modes là, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'options. Donc encore une fois, sans le mod, avec le mod. Donc maintenant nous allons parler du deuxième mode qui est Better Fuel Management. Alors directement vous pouvez aller dans les options mode setting, vous pouvez le trouver ici. Donc vous avez deux options, un pour le menu radial, donc c'est un deuxième cercle en fait. Et après quelle touche pour l'activer évidemment. Alors Better Fuel Management, donc ça consiste tout ce qui touche en fait au fuel. Donc on va prendre jerrycan, le combustible à lampe et la lampe. Tout simplement, et donc nous avons ça, donc trois petites bouteilles, donc 0,33, 0,50, 0,39, le jerrycan à 0,61, et après nous avons des lampes avec 0,28 et 0,89. Alors comment fonctionne le jeu? Alors si vous prenez par exemple du poisson, vous cuisez le poisson, vous allez récupérer en fait du fuel à chaque fois. Le jeu va par magie créer un petit récipient en fait de combustible, et c'est un problème, c'est embêtant. Si vous trouvez un jerrycan par exemple, vous n'allez pas pouvoir transférer les petites bouteilles dans le jerrycan. Si jamais vous avez le malheur d'avoir oublié votre jerrycan et que vous faites cuire du poisson, ça va créer plein de petites bouteilles. Extrêmement frustrant dans le jeu. Et une fois que vous les avez vidées, ces petites bouteilles en fait vont complètement disparaître tout simplement. Donc voilà, donc vraiment pas réaliste du tout de ce côté là pour le jeu. Donc c'est un problème.
Mais avec ce mod, les choses changent. Et aussi, petite parenthèse par rapport au gameplay, le combustible qui est dans le jerrycan est moins lourd que le combustible qui est dans ces petites bouteilles. Je crois que la différence est 0.01 en poids. C'est pas énorme, mais ça reste quand même du poids en moins, donc c'est toujours bien. Donc maintenant, ce que fait le mod ? Donc nous allons pour le moment jeter les deux par exemple. Et nous allons voir que dans action il y a plusieurs choses. Donc ravitailler, donc c'est pour remplir la petite bouteille. Et après nous avons vider. Donc nous allons décharger comme ils disent. Décharger la petite bouteille et vous allez voir que maintenant il y a 1.11 litres dans le jerrycan. Et nous allons faire pareil avec le reste. Donc nous avons celle-là, pareil. Donc action, vider. Très bien. Et après nous avons celle-là aussi qui nous reste. Très bien. Action vidée. Et maintenant tout est dans le jerrycan. Vraiment, vraiment, vraiment pratique. Donc le jerrycan il est à 1,85. Donc vraiment, vraiment cool. Et du coup ces petites boîtes, enfin ces petits récipients, vous pouvez les garder de côté. Et si jamais vous voulez pas en fait prendre par exemple le jerrycan avec vous, parce que du coup le jerrycan devient assez lourd, hein, maintenant il fait quasiment 2 kg, ce que vous pouvez faire tout simplement c'est ravitailler une petite bouteille, tout simplement. Et après vous allez pouvoir poser le jerrycan et partir comme ça à l'aventure avec une petite bouteille, mais qui est pleine et vous avez total contrôle en fait sur la bouteille, sur le récipient de la bouteille. On va poser ça, on va reprendre le jerrycan. Et maintenant, pareil pour les lampes, c'est-à-dire que par exemple, vous avez deux lampes ici, donc on sait qu'on ne peut pas enlever le fuel dans les lampes et c'est un gros problème dans le jeu. Du coup, des fois, vous allez utiliser une jusqu'à ce qu'elle se vide, puis après en prendre une autre. Mais là, du coup, en fait, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous allez dans action et vider, et vous allez en fait complètement vider le fuel qui est dans la lampe. Donc voilà, parfait, la lampe a 0.00, donc c'est bien, on la jette, donc tout est dans le jerrycan. Là, pareil, vous allez pouvoir vider si vous voulez, évidemment. Et vous allez pouvoir tout garder dans un seul jerrycan et virer les lampes. Voilà. Très, très, très cool comme mode. Et aussi, donc, le G, c'est pour, en fait, avoir accès à une deuxième roue. Donc, ça, c'est la roue normale. Et après, la deuxième roue qui va, en fait, mettre tous les récipients, en fait, de kérosène. Donc, par exemple, si je reprends les petits... ils sont où le reste? J'ai essayé de mis ouf. Ah oui, là. Hop, vous faites G, vous allez voir que vous avez tout qui est disponible ici. Alors pourquoi le modeur a mis ça? C'est tout simplement en fait pour avoir un peu plus d'options et un peu plus de facilité pour poser les choses par rapport aux récipients. Vu que maintenant vous pouvez avoir plus de contrôle en fait sur vos récipients, du coup la personne a rajouté même une roue pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Donc vraiment, vraiment, vraiment top ce mode. Donc maintenant pour notre troisième mode, nous avons Fire Addons. Donc, alors je vais essayer d'être le plus clair possible de comment fonctionne Fire Addons parce qu'il y a beaucoup de subtilités et beaucoup de choses. Et je vais vous montrer ce que j'utilise moi. Donc nous allons dans Options, Mode Setting, Fire Addons qui est ici. Donc il y a plusieurs catégories. Donc déjà vous pouvez utiliser la lampe en tant que allume-feu, donc oui ou non. Après vous avez Tinder, donc ce sont les fagotins. Donc fagotins en tant que combustible, oui ou non. Et après vous avez Flint, donc c'est un silex. Vous pouvez crafter ça à l'établi, donc personnellement moi je ne l'utilise pas. Et après en fait il y a le modeur en fait qui a retravaillé le système de embers, donc ce sont les braises dans le jeu. Alors dans le jeu on va déjà parler des braises parce que c'est le plus compliqué à comprendre. Donc dans le jeu ce qui se passe c'est que quand vous avez un feu et que votre feu s'éteint, vous avez des braises pendant quelques minutes. Et ces braises là ça vous permet en fait de relancer un feu ou alors d'allumer une torche et ça dure quelques minutes, genre 3 ou 4 minutes je crois. Mais voilà, mais c'est basique, c'est très basique et c'est très simple. Alors ce modeur là a voulu en gros se fier à la vraie vie et par exemple à un barbecue en fait, si vous avez fait des barbecues vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. C'est à dire que plus l'intensité du feu est grande, plus le feu en fait va manger tout le combustible, ok? Et du coup en fait le feu ne va pas vraiment durer très longtemps parce que le feu est très très intense et très fort et très chaud, donc il va tout manger. Et là en fait, si vous le mettez sur oui, vous allez avoir la possibilité en fait de rajouter, je crois que c'est des tranches de 250 ml d'eau, à chaque fois en fait sur le feu pour baisser son intensité.
Et du coup, baisser son intensité va faire en sorte que les braises vont durer en fait plus longtemps. Et ces braises-là va être une sorte de calcul interne grâce au mod pour vous rajouter du temps de feu. Donc en gros, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, est-ce que c'est bien ? Personnellement, je trouve que le mod est vraiment top dans le sens où il va très très loin. Et c'est juste un mod, hein, c'est pas fait par les développeurs pour une fois. Donc c'est vraiment juste un mod qui va extrêmement loin. Mais est-ce que c'est bien rajouté en fait au jeu ? Bah, c'est rajouté comme il l'a pu. Et personnellement, je ne préfère pas l'utiliser parce que ça complique quand même beaucoup de choses. Surtout que vous pouvez en fait rajouter du combustible et vous pouvez aussi rajouter de l'eau pour baisser l'intensité du feu, etc., etc. C'est un gros bordel. Donc personnellement, en vidéo, je vais pas l'utiliser parce que sinon, je vais devoir à chaque fois expliquer comment ça fonctionne et ça va être un peu embêtant. Après, pour le silex, pareil, j'ai pas envie d'avoir un silex en plus pour allumer un feu. Je vais par contre parler des choses les plus intéressantes. Donc pour moi, ce sont la lanterne et les tilders. Donc la lanterne, alors il faut comprendre comment fonctionne la lanterne. En gros, vous n'allez pas utiliser le combustible qu'il y a dans la lanterne, mais vous allez utiliser la pierre qui est dans la lanterne. Donc ça, voilà. Et dans la vraie vie, en fait, ces lampes, comme ça, vous pouvez en fait enlever le dessus et utiliser la pierre ou quoi que ce soit, enfin le mécanisme, pour allumer un feu. Et c'est ce que a voulu faire en fait cette personne avec le mod. Donc nous allons repartir dans les options, mode setting. Donc voilà. Alors de base, par exemple, la dégradation en fait est à 0. Il y a des choses en fait à changer pour vous, mais je vais vous expliquer. Donc oui, pour utiliser les lampes, et après vous avez donc le temps pour allumer un feu, le temps pour allumer les torches, parce que aussi vous pouvez allumer les torches si vous voulez. Et après vous avez le modificateur en fait de pourcentage, parce que si vous regardez pour faire un feu, vous voyez que par exemple des allumettes en bois on a 60%. Si vous prenez la loupe, bon là il n'y a pas. Si vous prenez la lampe tempête, donc 40%. Si vous prenez le fire steel, c'est 70%. Les allumettes en carton, c'est seulement 55%, etc., etc. En fait, chaque objet dans le jeu a son propre pourcentage. Donc moi j'ai voulu que la lampe en fait soit pas trop forte par rapport au reste. Donc par exemple les allumettes, ça reste 60%. Le fire steel, ça reste 70%, c'est un des meilleurs, mais pour la lampe c'est seulement à 40%. J'ai voulu quand même me mettre une petite pénalité du fait que ça soit une lampe, parce que les lampes on en trouve facilement, on va dire même en intrus quand même, et surtout c'est que vous pouvez les réparer. Alors pareil pour la dégradation. Par défaut, le mod l'a mis sur 0. Moi, je l'ai mis sur 2. Pourquoi 2 ? Parce que quand vous utilisez un Fire Steel, en fait, vous allez enlever 2 de dégradation au Fire Steel. Et à la lampe, j'ai voulu faire pareil. Donc, 2 de dégradation. Peut-être que je l'augmenterai à 3 à la limite. Ouais, on va peut-être le mettre à 3. Parce que le Fire Steel est créé pour ça, pour faire du feu. Alors que la lampe, elle n'est pas vraiment créée pour faire du feu. Elle est là plus pour s'allumer. Donc, à la limite, voilà, je vais le mettre sur 3. Donc, à chaque fois que je vais utiliser la lampe, la dégradation va baisser de 3%. Et une fois que ce sera à 0, je ne pourrai plus l'utiliser et il va falloir la réparer. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça donne du sens à réparer les lampes. Parce que oui, dans le jeu, réparer les lampes, ça sert strictement à rien. Une lampe à 100% ou à 1%, elle s'allumera toujours. Voilà, ça sert à strictement à rien de les réparer. Mais là, du coup, ça donne une logique, en fait. Maintenant, pour ce qui est du Tinder, en fait. Alors, vous pouvez utiliser donc les fagotins pour faire du feu. Donc, on va faire du feu, je vais vous montrer vite fait. On va faire ça, comme ça ira beaucoup plus vite. On va utiliser ça, c'est pas grave. Faire du feu. Donc notre feu, en fait, si vous prenez par exemple un petit bâton, vous allez voir que vous allez prendre à peu près, je crois que c'est 7 ou 8 minutes. Mais vous allez prendre genre 1 degré, je crois, par bâton. On va le refaire. Voilà, c'est monté de 8 minutes à peu près, mais vous prenez un seul degré par bâton. Maintenant, les fagotins, personnellement, vu qu'on les utilise en fait pour créer le feu, donc les fagotins, c'est quelque chose qui va brûler en fait extrêmement facilement et extrêmement vite, même dans la vraie vie, hein, on parle. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé son taux de durée, donc je l'ai mis, je crois, à 3 minutes, un truc comme ça, mais par contre, il va augmenter la chaleur. Je crois deux fois plus ou un truc comme ça. Je crois que ça va être 3 degrés au lieu d'un degré. Et je crois que ça va être 3 minutes au lieu de 8 minutes. Ou 4 minutes au lieu de 8 minutes. Enfin, je peux regarder tout simplement le mode, hein, ce que j'ai mis. Donc nous avons ouais, 4 minutes et 3 degrés. Alors que le bâton, c'est 8 minutes et 1 degré. Voilà. Donc vous pouvez voir que maintenant, si je mets un fagotin, regardez les minutes.
Donc elles sont montées à peine à 15, bon on est à 14 déjà, mais par contre les degrés augmentent de 3 degrés, donc c'est plutôt sympa. Et pour moi personnellement, parce qu'encore une fois c'est des modes, vous les prenez comme vous voulez, pour moi ça a une certaine logique, parce que du coup bah, les fagotas en plus ça devient complètement inutilisable une fois que vous avez le feu niveau 3, donc c'est complètement inutile. Mais là du coup ça garde en fait une certaine logique, c'est-à-dire que ça donne pas trop de minutes, encore une fois, vous n'allez pas pouvoir faire un feu en fait. Avec ça, hein, vous n'allez pas faire durer un feu avec ça, mais vous allez pouvoir augmenter la chaleur assez facilement. Donc voilà, vraiment encore une fois un très très bon mode niveau feu.